Coucou à tous, bienvenue sur la chaîne Budget and Life by Mimi. J'espère que vous allez bien, moi ça va et j'espère que tout le monde va bien chez vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le bilan du mois de septembre et on fera mon cachotto puisque j'ai deux dimanches à rattraper. Mais avant de poursuivre cette vidéo, je vais vous faire un petit point pour tout ce qui est vidéo budget. Dorénavant sur cette chaîne, vous aurez une vidéo de remplissage, une vidéo de bilan et à l'intérieur de tout ça, une voire deux vidéos point budget, mais ce sera tout. Sinon, pour ce qui est des deux dimanches pendant lesquels je n'ai pas posté de vidéo budget, je n'ai pas réalisé d'économie sur mes courses, tout simplement parce que dans un premier temps, j'ai profité en magasin des promotions qu'il y avait sur tout ce qui est produits d'hygiène et d'entretien. Et dans un second temps, je suis en train de nous faire un stock alimentaire parce que les temps vont être de plus en plus difficiles. Et comme il a dit notre cher président, c'est fini les temps de l'abondance et de l'insouciance. Mais on a juste envie de lui dire, abondance pour qui? Insouciance pour qui? Chut! Tais-toi! Tais-toi donc! Et puis viens dans la vraie vie voir ce qui s'y passe. Viens voir s'il y a abondance. Viens voir s'il y a insouciance. Sors de ta tour d'ivoire. Mais bon, on va s'arrêter là et on va revenir à notre budget. Alors, on va déposer ça ici et on va voir ce qui s'est passé cette semaine. Pour les personnes qui arrivent sur la chaîne, même s'il y en a peu, nous sommes une famille de 4 et nous avons un budget de 100 € pour les courses. Alors, avec mes 100 €, je suis allée chez Carrefour. J'en ai eu pour 28,57 €. Il me restait 71,43 €. Voilà. Et chez Lidl, j'en ai eu pour 77,30 €. Et là, vous voyez, j'ai un compte déficitaire. Moins 5,87 €. 77,30 €. Voilà. Donc, moi, en général, quand j'ai un compte déficitaire, ben, tout simplement, j'utilise le compte joint sur lequel on est toujours excédentaire. Il y a toujours un surplus qu'on laisse. Voilà. Donc, pas d'économie cette semaine, ni les semaines précédentes. Restaurant, j'avais un budget de 100 € et là, comme vous pouvez le constater, il me reste 20 €. Là, on avait fait un restaurant avec mon mari pour son anniversaire, il restait 40 € et là, j'ai utilisé 20 € pour mes enfants et là, il reste 20 €. Voilà. Divers, j'avais un budget mensuel de 50 €. Et regardez les amis, regardez, j'ai réussi à garder 5 billets de 5. Voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé ici? La dernière fois, il me restait 37,10 €. J'ai fait un petit achat à 9,10 €. Il me restait 28 €. J'ai utilisé les 3 € au travail pour m'acheter de l'eau, une fois parce que j'avais oublié ma bouteille d'eau. Et puis, j'avais envie de chocolat, donc je suis allée à la machine pour me prendre deux fois du chocolat. Donc voilà, 5 billets de 5. Shopping, j'avais un budget de 100 € mensuels. Et j'ai réussi à garder jusqu'au bout mes 50 €. Donc, on est à 70 et 25,95 €. Loisirs, j'avais un budget mensuel de 50 € et je n'ai pas dépensé mes 50 €. Beauté, il ne me restait plus rien. Ensuite, suivi des dépenses par carte bancaire, mais ce n'est plus une carte bancaire puisque c'était une carte totale. Donc là, il ne me reste plus rien.
suivi des dépenses par carte bancaire. Là, nous étions ici, il me restait 72 euros. J'ai fait un retrait de 40 euros pour mon cash auto. Il me restait 32 euros. Et j'ai fait un retrait de 30 euros pour le deuxième dimanche pour mon cash auto. Et là, il me reste 2 euros. Voilà. Donc, 50, 100, 120, 130, 140, 145. Et j'avais réussi à économiser 10 euros pour les courses. Donc on va noter tout ça. Pour les courses, vu que j'ai ma nouvelle fiche, 10 euros pour le mois. Restaurant, 20 euros. Shopping, 50 euros. Loisirs, 50 euros. Beauté, rien. Divers, 25 euros. Voilà, ce qui nous fait 30, 80, 130, 155. C'est ça, hein? 30, 130, oui, 155 euros. C'est plutôt pas mal, c'est même très très bien. Voilà les amis. Donc maintenant, on va faire le dispatching. Les 10 euros pour les courses vont aller dans l'enveloppe homme. Et je vais noter après. Donc là, j'étais à 469 euros et je passe à 479 euros. Et ensuite, ici, j'ai décidé de mettre dans nos règles 50 euros. On passe à 750 euros. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 750. On a bientôt atteint notre objectif. Dans voiture, j'étais à 180 euros et on va mettre 20 euros. Que là, je vais vous montrer. Voilà. On va mettre 20 euros et on va passer à 200 euros pour avoir un compte rond. Comme j'aime les comptes ronds. Voilà. Et il reste 50 euros. Je crois que je vais mettre dans Formimi. Puisque c'est bientôt mon anniversaire. Formule, j'étais à 50 euros et on va passer à 100 euros. Voilà. Et les billets de 5 vont aller dans mon défi. 5 euros. Donc là, j'étais à 70. On va faire les quoi? Si je trouve mon feutre, il est là. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et on passe à 95 euros. Alors, ça va être des billets que je vais utiliser pour l'été prochain.
C'est trop bien. Voilà pour ça. C'est trop, trop bien. Je suis trop excitée. Donc, on a fini le bilan du mois de septembre. Et là, on va passer au cachotot. Voilà ma nouvelle fiche. Mon nouveau tracker. Je l'aime trop aussi. Mais vraiment, trop. Et là, je vous ai dit que j'avais fait un retrait de 70 et j'ai 80, mais 10 euros de vente vintage sont arrivés, voilà, depuis la semaine dernière. Hein. Donc, en semaine 38, donc on a deux dimanches à rattraper, donc on va faire 2 fois 40 euros. Semaine 38. Et semaine 39. Autre bien. Donc, je remplis mon cachotot avec des petites ventes, mais essentiellement avec de l'argent qui reste sur mon compte. Et là, on colorie les petits sourires et on avance bien. Alors ça, on va enlever ça ici. Voilà les amis. Alors vous me direz en commentaire si vous avez pu réaliser quelques économies ce mois-ci, les temps sont difficiles, les courses sont de plus en plus chères. N'hésitez pas à vous faire un petit stock si vous le pouvez, puisque ça va aller en s'empirant. Sur ce, c'est ainsi que se termine cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si vous aimez mon contenu. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Et moi, je vous dis à bientôt pour mon remplissage. Bye!